Nous avons donc un cas du côté des États-Unis où un chef d'État a jeté l'éponge, se sentant déjà fatigué et également maladif. Est-ce que Paul Biya peut surprendre en renonçant à une énième candidature en 2025? Bon, parfait. Ici, j'ai apprécié l'analyse de Limbi Lobé. Mais bon, nous avons chez les logiciens des techniques d'analyse. Il n'y a aucune ressemblance ni entre Joe Biden et Paul Biya, ni entre le régime américain et le régime du RDPC. Ce qui fait que c'est là où l'analyse de Limbi Lobé a logique. Cloche, vous voyez, parce que je vous donne quelques grandes lignes. Allons-y. C'est Biya qui a fabriqué tout son régime. Joe Biden est une émanation de quelqu'un qui est encore là. Quand on vous dit qu'Obama a parlé à Joe Biden, Obama a de l'ascendance ou un ascendant sur Joe Biden politiquement. Parce que Joe Biden n'est pas ce qu'on pourrait appeler les ponts, un pont réel du régime démocrate aux États-Unis. Paul Biya a joui d'un autre avantage naturel que dont ne jouit pas Joe Biden. Il faut reconnaître qu'il n'a pas une mauvaise santé. C'est-à-dire que de tout ce qu'on voit, il est bien sûr fatigué, il n'a pas mauvaise santé parce que vous ne pouvez pas cacher ce niveau de mauvaise santé. Non, Paul Biya est presque l'aîné de 10 ans de Joe Biden. Presque 10 ans. Il n'a pas mauvaise santé. Troisième chose, Paul Biya a eu cet autre avantage d'avoir vu partir tous ceux qui auraient pu lui parler. Il n'y en a presque plus. Vous comprenez? Il y en a presque plus. Presque plus. Sa trop grande longévité biologique a fait. Déjà, quand il arrive au pouvoir, il faut dire qu'il a créé un système. Ceux qui étaient ses patrons, il les a progressivement mis hors jeu. Vous ne pas avoir déjà voulu parler. Oui, bien sûr. Vous ne pas avoir eu qu'un seul patron. En dehors du président Idiot. C'est très bien de le dire comme ça. Parce qu'effectivement, tout le monde le sait ici, l'une des premières personnes que Paul Biya éjectera du gouvernement, ce sera bien Teke Mboma. Tout à fait. Parce que lui rappelant le visage tutélaire. Donc Paul Biya n'aime pas avoir des tuteurs. Il a donc stratégiquement, et ceux de sa génération n'ont pas eu la peau aussi dure que lui. Il a fabriqué tout ce qui existe aujourd'hui, et ceux-là ont fabriqué d'autres que lui, Biya même, ne connaît pas. Ce n'est pas ses petits-fils-là qui viendraient parler à Paul Biya. Et pour chuter parfait ici, il y a aussi la logique de l'homme lui-même. Paul Biya ne se voit plus autrement que président du Cameroun. Bon, non, cela n'est même plus. Il ne vous l'a pas dit. Non, je dis, il ne se voit. Quand vous pratiquez quelque chose trop longuement, parfois ici, si vous habitez sur le terrain de quelqu'un pendant trop longtemps, vous finissez par vous croire que c'est vous terrain. Paul Biya n'a pas une autre. Merci, mon frère. Paul Biya n'a pas une autre. C'est pour ça que les gens font ma doigt là. Ils habitent sur le terrain, les gens, ils finissent par croire que c'est leur terrain. Non, parfait. Ils disent même qu'ils sont devenus des Sawa. Je vous fais même remarquer que Paul Biya n'a pas de biens immobiliers au Cameroun. Il sait que sa maison, c'est le palais d'étudier. Donc, vous l'enlèverez de là pour où? Il partira de là définitivement pour le dernier voyage pour Vomeka. Donc, imaginez Biya habitant quelque part, n'étant pas président, quelqu'un d'autre président, marchant avec... Non, c'est pas possible. C'est notre roi. Et je crois que finalement... Au Cameroun, il n'y a pas de roi. Il y a un roi. Et la vérité, donc, c'est que les Camerounais eux-mêmes ont intégré qu'accompagnons Biya jusqu'à la fin de cette affaire et voyons après. Seulement, il y a un risque. C'est que comme lui-même ne semble pas dessiner l'avenir, l'avenir risque de se passer de manière tragique. Vous êtes en train de prédire la population. Non, risque ça n'arrête les gens qui prédisent. Bon, attendez, moi, j'ai quoi? Je m'arrête, on me garde, si on me veut, on me laisse. On te garde et nous appelons à te libérer. Même si on n'appelle même pas. Donc je dis, non, l'avenir risque de se dessiner de manière tragique parce que
Bernard Delangay Messer se dessine déjà la nuit des longs couteaux. Les enfants là d'attendre, les petits-enfants ont commencé à attendre, les arrière-petits-enfants ont déjà de l'appétit. On ne sait plus à quelle génération Paul Biya va passer le témoin. Paul Biya est de la génération 30. Les gens de 40 sont en train de tous mourir. Et il y en a quelques-uns qui attendent. Les gens de 50, les femmes Ndongo, sont là. Les gens de 60 sont là. Les gens de 60. Qui te dit que les gens comme les femmes Ndongo attendent? Ils attendent. Ils attendent. Non. Il n'y a aucun. Ils savent qu'ils ne sont même pas capables. Ils disent que les femmes Ndongo lui-même demande que les gens de 70. Non. Que ce soit les gens de 70 qui les remplacent. Non. Si femmes attendent d'un côté. Il n'y a aucun annuaire au monde qui n'a qu'un seul numéro. Chaque jour qui passe, de nouveaux numéros entrent. Et c'est pour cela que vous comprendrez la guerre. Il n'y a pas d'abonnés à cette... Il y a des abonnés, sauf que c'est des abonnés masqués.